Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Et en ce moment, on a nos diplômes libres. Donc on va se faire des amis un peu partout. Et j'ai découvert qu'il y a des gens qui étaient partants pour me faire des transferts de puissance. On a beaucoup de puissance ici, donc au lieu de transférer de Cracovie, on va collecter. Donc là, on est à 4,87. Et là, on est à 6, bien. Plus il y a de pays qui me transfèrent de la puissance, moins je peux demander. Je ne savais pas, maintenant je sais. Ce qui fait que même des pays qui pourraient veulent plus. Lui, il n'est pas dans le bandeau commercial, donc on va révoquer le transfert de puissance. Ah, je ne l'ai pas fait finalement. J'ai fait là, eux, ils sont dans le bandeau au moins. Les petits là. Saxe, ils sont dans le bon nœud ou pas? Non, pas du tout. Ça me donne de la puissance là, mais c'est pas très très utile. Saxe, j'ai plus besoin du transfert de puissance. Hop, du prestige, on est à 100. 100 de prestige et 100 de légitimité. Et oui, les gars, j'ai tout ça. Les troupes anglaises sont là-bas, elles se cachent. Ah non, elles ont dû oublier de rentrer chez elles, tout simplement. Y a des gens qui m'en veulent encore. Ils sont de moins en moins nombreux, heureusement pour moi. Est-ce que la trêve avec la Hongrie, c'est fini? Non, en 55, ça va être long. La trêve avec la Bohème, c'est fini. En revanche... T'as beaucoup trop de soutien à mon goût. Milan et Toscane, ça fait un peu beaucoup à mon goût. Gueldre est allé juste à Clèves. Je pense que. Ah, mais il me transfère de la puissance, donc je peux pas les attaquer. Pas de malus ACC. Ah bah si, ACC le transfert de puissance commerciale. Mince, je pensais qu'on pouvait l'enlever comme on voulait. Il semblerait que non. Par contre les Croates, il va falloir commencer à vous libérer ou pas, hein. Mais faites pas un entre-deux, s'il vous plaît. Sinon je fais quelques troupes en plus et je vous convainc. Ah c'est bon, bah ils vont redescendre. La Suède est libre. Si jamais elle a un truc sous contesté. Ah oui. Ah, la Moscovie a dû l'aider. Et la Norvège est libre. Oh, je crains que le roi du Danemark soit mort et donc du coup il a perdu la Norvège et la Suède. Et il est en guerre contre l'Ordre de Livonie qui a perdu la Lituanie. Qui du coup est devenue beaucoup... Enfin, qui a perdu la Lituanie. La Lituanie existait encore, mais presque plus.
Et d'ailleurs, elle a perdu tous ses corps sur ses anciens dévoreurs. On va améliorer les relations avec la Lituanie. Il est toujours possible que la Lituanie devienne vassale de la Pologne. Ok. Agitation dans tout le pays, ça m'intéresse pas trop. Je préfère éviter plutôt. 1000 a rejeté l'accès militaire qu'on leur avait filé. Est-ce que Mayence a un corps du coup là-dessus ou pas? Non, non, non. Conversion terminée, l'Espagne contrôle la Curie. Notre dernière province est en cours de conversion. Vous tous, vous allez aller... Allez, allez, allez. Là-bas. On demandera l'accès à Magdebourg. On a déjà l'accès chez le Munster. Le bat qui vote pas pour moi, je pourrais le manger. Wouah! Sérieux? Il voterait quasiment pour moi. La Bohème, quoi. La Bohème à qui j'ai piqué quasiment toutes ses terres. Enfin, quasiment. Ses terres originelles. Ça, c'était la Silésie. Ah, elle avait ça aussi, c'est vrai. 1, 2, 3. On a pris 5 provinces, il en reste 3 des originelles. Et une a été prise par les deux voisins. Ça, c'est intéressant. Oh oui! Je voulais que ça arrive et c'est arrivé. Et voilà, impliqué dans la guerre. Parce que allié à Venise. Là, j'ai donné l'accès, ouais. Peuvent passer chez moi, dans tous mes territoires. Faudrait qu'ils aient l'accès chez la France et le Palatinat par exemple. Et en faisant un long détour, ils peuvent aller jusqu'à l'Ottoman. Clèves, qu'as-tu pris? C'est eux, Clèves? Ouais, ils ont beaucoup de territoires. Ils ont conquis Utrecht, que j'avais libéré. Qui était un électeur? Oh! C'est honteux. C'était un de mes alliés, Utrecht, si je me souviens bien. C'est des nouveaux, est-ce? Non, je leur ai d'ailleurs imposé l'unité religieuse. Ce qui n'a pas suffi, apparemment. La Suisse, je peux pas imposer l'unité. Je pourrais leur accorder l'électorat. C'est pas mes alliés, vraiment. Bismarck, ça pourrait être mon allié. Alors, on a deux électeurs, il m'en faudrait un troisième. Mais je ne sais pas vraiment qui prendre. Lui, il m'aime pas, on est d'accord. Eux, ce sont des cités libres. Même si certains d'entre eux m'aiment. La Picardie, elle pourrait m'aimer. Il faudrait qu'elle rejoigne l'Empire, en fait. Le Hainaut, il m'aime beaucoup. On va leur donner l'électorat. Hop. Et ils votent pour nous de loin. Ouais! Et ils sont plus ou moins protégés. Bon, ils sont en guerre. Mais je pourrais presque... Bah, je vais être en guerre contre Clèves de toute façon. Voilà. Non, pas contre Clèves d'ailleurs. Contre Gueldre. C'est pas Clèves du tout, mais... Ah si, ils étaient alliés à Clèves, c'est pour ça que je pensais. Voilà. Pas besoin d'aller dans la guerre.
Palatina a repris le poil de la bête. On va améliorer les relations avec eux. J'ai une tech de retard seulement en administratif. J'ai pas vraiment besoin de leur province, j'ai besoin juste de Cullen. Il s'appelle Coln à l'origine. Besoin de tout ça encore. Beaucoup de provinces en Saxe, une là, une là, une là. Je suis content que ce soit pas eux qui l'aient du coup. Et j'ai pas besoin de Cassel, non. On va leur imposer la paix, je pense. C'est où? C'est juste là. Hop. Bavière ne peut être impliquée car Geld a pris le parti de Eno et Bavière est déjà en guerre contre Geld. C'est pas mes alliés. Je vais mettre à leur place. On s'attaque pas à mon protégé, mais un de mes trois protégés en fait. Il y en a qui n'ont pas beaucoup besoin d'être protégés, comme la Saxe par exemple. Le Munster non plus, il est assez costaud. Mais bon. J'ai besoin de province sur Clèves ou pas? Non, mais ça pourrait être un chemin vers S. Je prends Berg et Westphalie par exemple. Bon, on va voir, hein. D'abord je fais la paix avec eux. Hop, hop. Combien ça coûte ça? Ah, une petite quoi quand même. J'ai envie de dire, on s'en fiche. Ils ont refusé la proposition de paix. Ah mince, il y avait le Palatinat. Tant pis. Non, je peux plus m'arrêter. Tant pis. Deux dans la quoi contre moi. Défaite maritime. Suisse a rejoint la quoi. Je pourrais améliorer les relations avec les potentiels coalisés. De toute façon, je pourrais pas prendre de province. Mais je pourrais faire éclater les pays. Les plus gros. Prise à rejoindre, mince. Rejoignez pas, je suis votre empereur. Ah, Bohème a rejoint, ça c'est une mauvaise nouvelle. Je peux pas prendre de points de stabilité. Ah si, on va le prendre. Ouais. Démonstration de force, je suis juste. On pourrait insulter un de nos rivaux, par exemple les Ottomans.
Pourquoi il est fatigué Ah non, c'est notre adversaire qui est fatigué. Mon allié, il est fatigué ou pas? Moyen. Envoi à rejoint. Entre Francfort et Milan. D'où Milan est appliqué? Francfort est allié à Milan? Ça vaut pas la peine, Nassau, que je donne l'accès à Milan. En fait, il vaut mieux pour vous que vous vous battiez tous les deux dans l'Empire, plutôt que Milan vienne se rajouter au paquet. Perdre une revendication sur la Bohème, des territoires dont j'ai pas énormément besoin. La Saxe m'aime beaucoup, on va pas y fâcher pour l'instant. Clèves, constituer un réseau d'espionnage. Fin du siège de Clèves. J'ai repris la tête ou pas? Non, je suis juste membre de la guerre. Bon là, j'espère qu'ils vont voter pour moi pour l'éternité, hein. Magdebourg et Bade que j'ai choisi, ils votent plus pour moi. Fin du siège. J'espère qu'ils vont éclater les pays ou les faire se convertir. Non, 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 c'est un mauvais plan. Non, 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 c'est un mauvais plan. Vous voulez que je refuse à tous les membres de la guerre? Si vous avez l'accès dans le Palatinat, c'est déjà très bien. Faites pas un lien avec Milan via l'Autriche et moi, par exemple. J'ai l'impression que les Ottomans gagnent leur guerre. Guerre sainte. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas lu le message. Il n'y a plus de croisade, d'accord. Vu que le pape a perdu beaucoup d'autorité en Europe centrale et en Europe du Nord, ça aide pas. Plessen a été assiégé. Ils ont des revendications, eux, là-haut? Non, pas trop. Mais on pourrait quand même... transférer à Hainaut. Hop. Est-ce que je peux me le retransférer? Non, je peux plus. Hainaut offre la paix à Gueldre. Je voulais pas la province, même si je l'avais revendiquée. Ils ont bien fait de la laisser telle qu'elle. Fin du siège d'Utrecht. Ça occupe, ça occupe. Je sais que j'ai pas besoin de l'accès militaire en temps de guerre, mais du coup je peux même pas demander. Il n'y a pas besoin de disposer d'accès spécifique en cas de relation proche ou si nous avons le même suzerain. Mais on n'a pas le même suzerain que Hainaut. Je pense que c'est parce qu'on est dans la guerre ensemble et que le message d'erreur par défaut c'est ça. Ils ont pris Prague. Reprendre Plessen.
J'ai cru lire que France revendiquait des provinces à moi. Ouais. Sans gêne. Oh là là. Un des deux sièges a été repris. On va aller leur régler leur compte. Alors, Clève, Antofahano, libère Trèves et Utrecht en tant qu'état souverain. Verse. Hainaut gagne de la démonstration de force. Le prestige de Hainaut évolue. Quoi? Ah non, je les ai mangés, c'est pas des libérés. Les libérés, c'est Trèves, Hérésie voisine et frictions aux frontières, et Utrecht. Ce sont des hérétiques qui ne se laisseraient pas forcément convertir. Utrecht pourrait les convertir fastoche. Est-ce que je peux convertir le centre religieux? Moins 0,3. Aïe aïe aïe. Faudrait que je puisse. Pour ça, je sors prendre la contre-réforme. J'ai deux bonus pour monter ma puissance de missionnaire. Ça va le faire. Décoaliser. Je pourrais me défâcher avec eux, je pense. La Suisse, il n'y a pas vraiment de raison que je sois fâché avec eux non plus, hein. J'aurais imposé l'unité religieuse, sérieux? Ah non, j'ai imposé l'unité religieuse à des gens de leur religion. Il faudrait que ça arrête de les marquer à ce point. Oh non, ils sont en train d'être reconvertis. C'était bien la peine. Je gagne 34 000, oh, c'est bien. Non, 37 000 plus exactement. Hop, inquiétant. J'ai laissé mes forteresses activées du coup. Et regrouper des troupes du côté de mon allié autrichien. Venise perd que de moins 30. C'est quand même moins 30. On aurait des séparatistes croates. Je croyais qu'on s'en était débarrassé d'eux. Si je leur accorde la grâce impériale, ils vont bien arrêter d'être dans la coalition contre moi. C'est tellement gentil, la grâce impériale. J'ai un diplôme libre, ouais. Non, ils m'aiment toujours pas. Ah, ils sont repassés en prudent. Non, vous pouvez sortir de la coalition. Gardons de bonnes relations avec nos alliés. Qui n'ont pas encore. Si, ils ont succombé à l'hérésie. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. La France n'est pas du tout touchée par. Enfin, non, c'est même les États pontificaux, ça c'est pas la France. Ah non, c'est la Provence. La Provence a été complètement convertie. Peut-être par ses fanatiques, justement. Un lié à Hainaut. C'est-à-dire que la France pourrait attaquer les deux en attaquant que ceux-là. Oh, proposer la vassalisation, c'est possible. Oui, on va faire ça.
Centre de réforme, tu vas disparaître. Mariage royal. J'ai combattu avec Eno, je vais pas leur demander dans la province quand même. Non, refusé. J'ai dit personne ne passera. Personne ne passera. Il y a un siège qui se fait. 1000 ans est passé. Mince. Bah, comme quoi, vous avez pas besoin de passer chez moi. Ça vous embête peut-être un peu, mais c'est tout. Garantir l'indépendance. Offrir l'accès militaire. Il me reste. Faire un don, c'est facile. Hop. Hop, j'ai désormais un vassal. Ah mince, quelqu'un a monté l'autonomie. Du coup, la province me rapporte rien du tout. Défenseur de la foi. Non, pas pour l'instant. C'est qui? C'est bah, c'est soit lui, je ne sais pas. C'est fou qu'il y ait des pays qui soient super. Convertissable et d'autres qui soient très durs à convertir. Bon, je mangerai la Picardie. Picardie à l'occasion. On a perdu une quasi-belli conquête contre Venise. Parce que tous les territoires qu'ils avaient pris ont été rendus. Enfin, rendus, ils n'étaient pas aux Ottomans, mais. Ils sont retournés aux Ottomans. Eux, ils continuent à être dans la quoi? Eux, ils peuvent pas. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils m'aiment pas par principe. J'ai beaucoup d'expansions agressives contre eux. C'est un peu une cause perdue. Ravensburg. Bohème s'est retiré. Ah, bah voilà. La grâce impériale a fini par. Séduire le corps, le cœur de Prémy Oltakar 5 Z Podébras. Würzburg s'est retiré. Ou alors c'est la peur qui fait ça, qui les effraie. La peur qui les effraie. Oui, jusque-là tout est logique, hein. Palatinat, garantie par Provence. Ils ont regagné Valais. Sans guerre contre Nassau et Hesse. Ah oui, c'est toujours leur guerre. C'est une cité libre, Francfort. Ah non, c'est plus une cité libre. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire des conquêtes. Tant que c'était une cité libre, ils restaient tranquilles et tout. Comme pour me punir. Saint-Empire. Non, régime politique.
Oh là là, ça n'existe plus, ces petites républiques. Vraiment pas beaucoup. Les smart, ils sont encore trop gros pour que je puisse leur proposer. Et les trois là, bah il y a celle-là, mais pas trop faisable. Et Freeze, déjà ils m'aiment pas, et en plus ils sont un peu trop gros. Oh, ils accepteraient presque, même si ils sont membres du Saint-Empire, d'être mes vassaux. Qui a mangé quoi? Francfort. Tu crois que je te vois pas, petit Francfort? Oh, il me dirait non, comme ça. Oh. Oh. Ah, tant pis, je vais vous conquérir, on verra ce que ça donnera. Trêve étalée à Würzburg. Est-ce que c'est ce petit pays-là, Würzburg? Ouais, ça va être des cibles, Trêve et Würzburg. Premièrement pour approcher nos territoires, mais aussi pour commencer à avancer vers Francfort. Bon, il va me falloir également S, Palatinat, Alsace, Thuringe, Bruchen, la capitale de la Saxe, le Brandebourg, un territoire polonais et Hambourg, Riga, Brême et Lübeck. Riga, ça doit être une république. Ils n'ont pas envie de devenir soit mes vassaux, soit membres de l'Empire. Membres de l'Empire, je pense qu'ils peuvent pas. Parce qu'ils sont très très loin. La Poméranie, je leur en veux pas trop parce qu'ils ont jamais. Si, une... Non, non, je crois que c'est pas eux qui ont mangé le Brandebourg. Bon, ils ont participé évidemment. Ils ont jamais trop avalé des gens. Ah si, ils ont avalé ces deux-là. Bon, si, alors je leur en veux un peu quand même. Angleterre en guerre. Je pense qu'ils se sont fait attaquer. Non, ils attaquent dans la reconquête munstéroise de Hola. Alors que ils sont en guerre en alliance. Non, comment ça se fait que l'Angleterre est rejoint? C'est bien eux, Oldenburg. Non, eux c'est Munster. Oldenburg, c'est d'autres. Ils sont là. Et Oldenburg, ils sont défenseurs face à Munster. Oldenburg s'est fait attaquer par Munster dans la conquête. Bah si. Ah oui, non, c'est juste que c'est eux qui sont alliés à Brunswick et à l'Angleterre. C'est pour ça. Ça paraît logique en fait que les membres du Saint-Empire refuse de m'obéir si jamais je fais mes propres conquêtes et qu'après je leur réclame rendez les provinces. Séparatiste badois. Fait, j'ai jamais fait disparaître les Croates. Aix-la-Chapelle. L'autre province. Hambourg s'est retiré de la coalition. Oh, ils ont croisé des gens. J'espère que les gens sont suffisamment forts. Tuez-les, 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 tuez-les. Victoire alliée. Mais quel idiot! Comment ça peut être mes alliés? Que les Polonais vont s'en charger. J'aimerais qu'ils évitent de faire tomber la conversion en fait, surtout. Surtout, genre, à tout prix. Ah, je peux pas y aller en plus. Les Polonais, rendez-moi service s'il vous plaît. Oh, ça coûte super cher. Pour du prestige et de la légitimité, mais j'en ai déjà tellement. Bon, on va perdre un peu de prestige.
Mais la Pologne est dans sa propre guerre. Oh, oui, faites ça la Pologne. Ah, ils ont sauvé mon missionnaire, qui aurait dû fuir sinon. Aix-la-Chapelle a été convertie. Oh, ils vont s'occuper des autres en plus. Oh, ils sont trop gentils la Pologne. J'ai envie de leur faire un bisou. Parfois je parle et après je me rends compte de ce que je viens de dire. Vous êtes de quel côté la Pologne? Avec l'Angleterre. Attends, est-ce que Oldenbourg est allié à... Non, comment ça se fait? Vous êtes dans quelle guerre, vous? D'attaquant face à Brunswick dans la reconquête munstéroise. Ils sont allés au Munster, qui est mon propre allié, ça paraît logique. Angleterre, Pologne. Ah oui, non, l'Angleterre est de leur côté. Ils ont besoin d'appeler Angleterre, Pologne pour attaquer deux pays plus faibles qu'eux. Laissez-moi douter. Prendre les trucs d'impôt. Les trucs d'impôt. On va pouvoir baisser beaucoup la maintenance de l'armée. Fin de la traite avec la Hongrie. Est-ce qu'on les achève? Avant qu'ils se trouvent un allié. Ils ont peut-être déjà trouvé un allié. Non, pas du tout. Milan que 24. 43, c'est une demi-guerre. Oh, je pense qu'il y a moyen. Ravensburg s'est retiré. Tout le monde s'en va, doucement mais sûrement. On va faire des revendications sur les Ottomans au cas où. Au cas où on se retrouve en guerre avec eux et qu'on gagne. On va s'arrêter là pour cette vidéo et on se trouve bientôt dans le prochain, enfin bientôt, dans une semaine, je pense, pour le prochain épisode.